Parfait. Et du coup, peut-être partager la présentation. Hop. Ouais, merci. Et du coup, bah, merci à tous et toutes d'être parmi nous. L'idée de ce webinaire, c'est vraiment de vous présenter un peu les actions qui sont prévues, qui ont été réalisées, un peu d'échanger et de présenter les membres de la cellule régionale d'animation qui sont présentes ici. Pour un peu, voilà, que vous compreniez, que vous ayez en tête comment ça fonctionne au niveau. Voilà. Et puis moi, peut-être je me présente, Irène Chanson. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis en train de reprendre petit à petit le dossier PTCE avec Cécilia, qui était donc initialement votre interlocutrice. Et donc voilà, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Évidemment, dans le déroulé. Alors, est-ce que tu veux bien. Merci. Donc, le programme, ce qui est prévu, c'est d'abord un tour d'écran des membres de la cellule régionale d'animation pour que voilà, vous repériez un peu qui est qui et qui fait quoi. Ensuite, un petit tour des actions du bouquet de services avec une présentation d'abord de à quoi, pourquoi, comment, enfin, son idée derrière ce bouquet de services que Rosemary Liventou pourra nous présenter de la préfecture. Et ensuite, une présentation rapide des actions à venir. Par la suite, on aura le témoignage de Florent Chambol qui travaille à l'URSSCOP pour pouvoir nous parler un peu d'une des actions à venir en lien avec le statut coopératif. Et enfin, de pouvoir échanger sur les différentes actions qu'on voulait vous proposer pour l'année à venir, avec évidemment en clôture de ce webinaire, pardon, des informations sur l'AMI PTCE 2022. Que Julia Ladret de la DRIETS Île-de-France va nous présenter et il y aura un temps questions-réponses qui est prévu à la fin où vous pourrez ouvrir vos micros et échanger. En attendant, pendant les présentations, si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans le chat. On va essayer avec Cécilia de jongler entre le chat et les présentations pour vous répondre voilà, au fur et à mesure. Et puis sinon, n'hésitez pas à les garder pour la fin pour qu'on puisse échanger à micro ouvert. Voilà un peu, je ne parle pas plus longtemps, je vous propose qu'on démarre par le premier temps qui consiste à présenter du coup les membres de la cellule régionale et du coup je passe la parole à Rosemary Liventou de la préfecture Île-de-France. Excusez-moi, on pourra faire un tour de table aussi après, de toutes les personnes qui sont là. Oui, on va le faire, mais très vite, parce qu'on n'a qu'une heure pour échanger, mais je trouve que c'est une bonne chose de voir qui est là, effectivement, et de mettre un nom sur les visages. Ça Donc, marche. voilà, je commence donc rapidement. Donc, Rosemary Liventu, je suis à la préfecture de région d'Île-de-France. Je m'occupe de tout ce qui est économie et aménagement numérique, ainsi que l'économie sociale et solidaire, et tout ce qui concerne l'accessibilité pour les francs services, les chantiers prioritaires. Voilà, donc rapidement. Après, on reverra ensuite l'ordre du jour. Je passe la parole aux membres du CRA. Alors, le CRA, c'est quoi? C'est la cellule régionale d'animation. On va parler juste après le tour de table des membres du CRA et des personnes de présentes en tant que PTCE. On y va? Julia? Julia, on te laisse la parole. Ça marche. Bonjour à tous. Donc, Julia Ladré, je suis chargée de mission à la DRIETS Île-de-France, en charge du coup du suivi des sujets ESS, donc sur lesquels je travaille en lien direct avec Rosemary qui est à la préfecture. Donc, la DRIETS, étant les services déconcentrés de l'État, travaille pour la préfecture de région également. Et également en charge du DLA, du dispositif local d'accompagnement, que je pense est connu par nombre d'entre vous, ainsi que des clauses sociales d'insertion. Donc, différents sujets sur lesquels éventuellement les PTCE peuvent avoir un lien. Et donc, je suis et mets en œuvre la relance des PTCE en lien avec Rosemary, la préfecture, et les membres de la cellule régionale d'animation. Et donc, je passe la parole. Je crois que Nicolas n'est pas encore arrivé. Du coup, je vais passer la parole à Annick Sansoni. Très bien. Donc, bonjour à tous. Annick Sansoni, je suis nouvellement arrivée en tant que directrice du phare. Donc, le phare, c'est le pôle d'hospitalité d'activité à rayonnement écologique et solidaire qui a fait partie de la première vague de structures PTCE. Et à ce titre, intervenante dans la cellule d'animation régionale. Le phare, c'est quoi? C'est tout d'abord un lieu, un bâtiment, un lieu de rencontre
et de partage d'initiatives autour de l'ESS, donc avec vraiment un mode de fonctionnement extrêmement collaboratif, d'une part par sa gouvernance, on est une SIC, gérée par 4 co-gérants, et donc le rôle du phare est d'une part de gérer le bâtiment qui accueille des structures qui ont des projets autour de différents secteurs de l'économie sociale et solidaire, que ce soit l'éducation populaire, l'insertion, la formation, on accueille une épicerie bio. Et donc notre rôle est un petit peu d'essayer d'accompagner les différents projets menés par les habitants du phare et de voir à chaque fois quels sont les apports qui peuvent être amplifiés par une collaboration entre les structures. Voilà, pour faire vite, Myriam Dauphin, qui est là au titre de son PTCE vélo, est une des co-gérants du phare, donc peut-être avec beaucoup plus d'historique que moi. Je ne sais pas si Myriam, si tu veux ajouter quelque chose. Non, c'est OK. OK, d'accord, très bien. Eh bien, écoutez, je repasse la main, donc à moins que Nicolas soit arrivé, à Cécilia et Irène et Sébastien. Merci beaucoup, Annick. Sauf erreur de notre part, Nicolas n'est pas parmi nous. Voilà, pour le dernier membre de la cellule, du coup, effectivement, la CRES Île-de-France fait partie de cette cellule avec moi, Irène Chanson, et Sébastien Chahut, qui est directeur de la CRES. En deux mots, je pense que plus ou moins tout le monde connaît le rôle de la CRES à l'échelle régionale et notamment en ce qui concerne les PTC, on va peut-être y revenir. La CRES mène deux types d'actions, l'organisation des premières rencontres entre les PTC à l'échelle régionale et après on est progressivement en train de mettre en place un suivi individuel pour appuyer les différents PTCE dans leur structuration et au sein du bouquet de services et en lien aussi avec le reste de l'écosystème de l'accompagnement et financement. Je ne sais pas si Sébastien, tu veux ajouter un mot ou sinon on peut peut-être entamer le tour de table parce qu'on est un peu nombreux. Voilà. Non, pas ajouter grand-chose si ce n'est préciser que la CRES Île-de-France occupe un peu à la manière du CORAS également, une position dans cette CRA de par la position de son réseau, c'est-à-dire que les CRES occupent cette position dans l'ensemble des CRA dans les différentes régions, ce qui veut dire aussi qu'on peut avoir, alors, bien sûr comme l'État, comme le CORAS également, qui sont également dans cette posture-là, mais qu'on peut avoir du coup des fois ce rôle-là de partager des informations, des points de ce qui se passe dans d'autres régions, potentiellement de créer des passerelles, de venir un peu polliniser ça de ce point de vue-là, parce que nous, on a du coup quasiment tous les 15 jours des points inter-CRES pour faire le suivi de ce qui se passe dans les différents groupements PTCE régionaux. Voilà. Super. Du coup, je te propose, Myriam, de commencer le tour de table. Je vous demande simplement de ne pas rentrer trop dans les détails, parce que si on veut rester dans le timing, ça risque d'être un peu short sinon. Donc voilà, présentez-vous, le nom de votre PTCE et peut-être en un ou deux mots un peu les thématiques sur lesquelles vous êtes. Oui, bonjour, Myriam Dauphin. Donc, je suis la directrice de l'association régionale Études et Chantiers Île-de-France, qui porte essentiellement des activités d'insertion et pionnier dans l'insertion et le vélo. Je suis par ailleurs, comme l'a dit Annick, co-gérante depuis le début de la SIC Cité Phare. Donc, je connais bien le fonctionnement d'un PTCE particulier. Et avec deux autres associations, La Petite Roquette et Carton Plein, on travaille, donc on avait créé l'École des métiers du vélo du Grand Paris et on est lauréat de l'appel à projet PTCE 2021 pour le PTCE vélo qui est en émergence sur le Grand Paris. Voilà, donc je suis par ailleurs aussi vice-présidente du réseau des ateliers chantiers d'insertion Chantier École Île-de-France. Merci Myriam. Je passe la parole à Wael Chalier, désolée si ce n'est pas comme ça que ça se dit.
Will Chalier, non? Du coup, je vais passer la parole. Oui. Oui, oui. Allô, allô. Oui. Je ne sais pas si vous m'entendez. Voilà. Donc, c'est Will Le Chalier. Bonjour. Donc, je travaille au Conseil régional d'Île-de-France et je suis délégué territorial au pôle entreprise et emploi en charge du suivi du département de la Seine-Saint-Denis. Merci beaucoup. Bienvenue. Je passe la parole à Annelise Meyer. Oui, bonjour, donc Annelise Meyer. Je fais partie d'une fille qui s'appelle Alternateur. On est tiers-lieu itinérant sur le Val-de-Marne et on a participé à la BTSE émergent. Donc, on a répondu l'an début d'année avec pas mal de partenaires sur le Val-de-Marne, notamment tiers-lieu et SS, c'est BTSE, tiers-lieu émergent, apprenant et inclusif. Voilà, merci. Merci. Aurélie Jean du POP. Oui, bonjour. Donc, Aurélie Jean du POP, le POP, le Pôle Petite Enfance, est une association qui travaille sur le développement des modes de garde en Seine-Saint-Denis ainsi que la sensibilisation au métier de la petite enfance pour les publics inactifs. On a été reconnu comme PTCE émergent de l'AMI 2021. Et voilà, on est accompagné du coup par vous tous pour devenir existants. Merci. Merci beaucoup Aurélie. Je passe la parole à Cécile Tanguy. Oui, bonjour. Donc, je suis Cécile Tanguy, chargée de mission au sein du PTCE Paris-Vallée de la Marne. Donc, le PTCE PVM a été lauréat de la phase 1 de l'AMI de 2021 et c'est un PTCE territoire autour notamment de 4 filières, une filière brassicole, circuit court, économie circulaire et mobilité douce et partagée. Merci beaucoup. Cédric Mazière, Oasis 21. Oui, donc Oasis 21, c'est une coopérative, une SIC, qui gère et aménage des tiers-lieux dans le 19e arrondissement à Paris et qui héberge toute une série d'organisations qui travaillent sur les questions écologiques, sociales et environnementales, écologiques, sociales et citoyennes, pardon. On accueille notamment, il y a Coras Île-de-France qui est résident dans le réseau, France Tiers-Lieux, France Nature Environnement, Elix, la 27e région, Finacop, Légicop. Donc, c'est des organisations qui ont des angles d'attaque sur les questions de transition écologique qui sont, et sociale qui sont assez divers et qui ont vocation à travailler ensemble. Voilà. Merci Cédric, du coup, qui vient de rejoindre la dynamique PTCE pour cette année. Franck Mathieu, de PTCE Archipossible. Oui, bonjour. Donc, la SIC Archipossible est basée au sud de l'Île-de-France, centrée sur le département de l'Essonne. Et donc, notre mission, c'est d'aider tous ces gens qui auto-rénovent, auto-construisent, bricolent leur maison, leur jardin, en créant tout un écosystème autour de ces personnes. Voilà. Merci beaucoup. Noélie Liénard de Villette-en-Plaine. Oui, bonjour. Moi, je suis coordinatrice de projet d'économie circulaire pour le groupe économique solidaire Villette Emploi, qui est situé sur le parc de la Villette. Pour l'instant, on ne fait pas encore partie d'un PTCE. On réfléchit à l'émergence et la création d'un PTCE plutôt orienté économie circulaire et culture et qui rassemblerait les acteurs implantés sur le site de la Villette. Voilà, donc je suis là pour glaner quelques informations. Merci beaucoup. Thomas de Saint-Pierre, s'il vous plaît. Oui, bonjour. 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 Désolé, la caméra. C'est Thomas de Saint-Pierre. Je suis chargé de mission au sein de l'association Karma pour travailler dans l'émergence du PTCE Pays de France, qui travaille dans l'agroécologie et l'alimentation durable dans le département de Seine-Saint-Denis et Val-d'Oise. Voilà. Merci beaucoup. Et pour conclure du coup ce tour de table, Florent Chambol, si tu veux bien te présenter pour l'URSCOP. Oui, bonjour. Donc, Florent Chambol, Union régionale des SCOP et SIC. Donc, on accompagne les projets de transformation, création, reprise d'entreprise en SCOP ou en SIC.
Et je suis là parce que on a été sélectionné au niveau du mouvement coopératif dans le bouquet de services pour faire des accompagnements collectifs et individuels, soit sur du financement, soit sur de la transformation en SIC. Voilà, et du coup, j'ai contacté certains d'entre vous. Comme c'est des bouquets de services un peu compliqués, on s'est dit avec Cécilia que c'était pas mal que je puisse intervenir ici, qu'on essaye de se coordonner, de rendre utile un peu le plus utile possible cette proposition-là d'accompagnement. Super, merci beaucoup Florent. On va évidemment y revenir un peu plus en détail. Merci à tous et toutes de vous être bien présentés. Du coup, on va passer à la slide suivante, pardon. Je donne la parole à Rosemary Liventoux pour nous présenter un petit peu les actions du bouquet de service, enfin le rôle du bouquet de service et un peu ce qui a pu être fait d'ici là. Oui, avant de présenter le bouquet de service, donc, je voudrais quand même qu'on revienne à la cellule régionale d'animation, hein, l'ACRA, pour expliquer à tout le monde ce que c'est, puisque c'est une instance qui a été mise en place récemment, ça date de juillet 2021, dans le cadre du lancement de l'appel à manifestation d'intérêt pour le dispositif PTCE, auquel bon nombre d'entre vous présents ont répondu. Donc, c'est important pour nous de vous faire connaître cette cellule, parce que jusqu'à présent, si vous vous rappelez, faute de dispositifs d'animation après le lancement des deux derniers appels à manifestation d'intérêt en 2013 et 2015, on s'est aperçu que les PTCE qui n'étaient plus en lien avec les autres, leurs pairs, comme on dit, ceux-là n'ont pas tellement bien résisté et on s'est tous un peu perdu de vue. Donc, je pense que cette cellule régionale d'animation qui a été initiée en Ile-de-France comme dans toutes les régions a deux rôles importants. D'abord, un rôle d'instructeur et un rôle d'animation. Le rôle d'instructeur, c'est évidemment par rapport aux demandes de dossiers qui sont déposés sur démarche simplifiée au titre de la phase 1 comme au titre de la phase 2. Donc, pour les PTCE émergents qui nécessitent d'un accompagnement dans le cadre de la phase 1 et les PTCE, on va dire, un peu plus construits, un peu plus solides, qui peuvent aller directement en phase 2 et bénéficier donc d'une subvention de 100 000 euros de la part du secrétariat d'État, de l'économie sociale et solidaire. Ça, c'est très important. Alors, l'instruction des dossiers, elle se fait en collectif. Tout à l'heure, les membres de l'ACRA se sont présentés. Donc, on partage nos points de vue et chacun donne a une connaissance des différents aspects qui doivent être portés par les PTCE. Et donc, comme vous le savez, il y a un retour qui vous est fait là-dessus. Ça vous permet ensuite d'améliorer votre dossier pour les présenter en phase 2. Donc, sur cet aspect d'instruction des dossiers, il est important aussi de savoir que vous pouvez vous faire aider là-dessus par tout cet accompagnement. Ensuite, le rôle d'animation, c'est aujourd'hui, nous avons souhaité au niveau de l'État, donc également par rapport aux membres du CRA, à la dernière réunion, d'élargir un peu ce rôle d'instructeur, qui est un rôle important, mais il va de soi qu'il ne suffit pas d'instruire, de donner un avis sur le dossier, il faut aussi le faire vivre, animer le réseau, et en partenariat avec la CRES, qui a une convention spécifique sur le portage du dispositif PTCE. Nous avons souhaité monter cette réunion pour vous. Ce n'est pas une réunion CRES, il faut bien se le dire, c'est une réunion CRA. Donc, c'est une réunion vraiment, c'est une régionale d'animation où chacun a sa place et chacun donc, apporte des éléments pour essayer d'aider et d'accompagner autant que faire se peut donc, les PTCE et faire vivre le réseau des PTCE. Donc, à ces réunions-là qui ont lieu, je l'espère, de façon, on va dire, trimestrielle, on peut échanger directement avec les PTCE et leur faire un état un peu d'avancement et surtout recueillir leurs avis sur leurs besoins au-delà des réunions ou des apports collectifs ou individuels qui sont prévus dans le cadre du bouquet de services. Voilà, en gros, voilà, c'est le rôle là-dessus. Est-ce que les membres du CRA, donc Julia, Mme Sansoni, etc., veulent ajouter des éléments par rapport à ça? Non. Aussi, il y a aussi des questions des participants sur l'ACRA. Vous pouvez effectivement tout à fait soit le mettre dans le chat,
soit directement ouvrir le micro. OK. S'il n'y a pas de complément de question, dont j'embraille sur l'aspect donc bouquet de services, là-dessus, évidemment, Julia, tu complètes en tant que de besoin, hein, c'est ces éléments-là. Bouquet de services, il y a 18 actions dans le bouquet de services qui est proposé donc, aussi bien aux PTE émergents qu'aux PTCE existants. Donc, il faut bien sûr voir dans cette liste qui est un peu une liste à l'après-verre, mais qui balaye quand même des sujets très importants par rapport à l'expérience qu'on a vue avec le PTCE, c'est-à-dire que 2013-2015, certains PTCE n'ont pas été plus loin parce qu'ils manquaient de partenariats et ils manquaient aussi d'éléments sur certains de ces domaines, comme le domaine de la recherche, le domaine des financements et des domaines, par exemple, aussi financiers, comment faire son business plan, etc. Donc ça, c'est important. Et cette liste dans le bouquet de services a le mérite, en fait, de balayer un certain nombre de besoins qui ont été exprimés sur le terrain, non seulement sur le terrain, mais également par les partenaires, les laboratoires, etc., qui ont dit, bon, moi, je peux aider les PTCE sur tel et tel domaine. Et en fait, c'est la réponse à comment mobiliser toutes les énergies sur le territoire pour essayer d'accompagner le PTCE émergent pour qu'il devienne un véritable PTCE existant, avec donc tous les atouts qui sont de son côté. Voilà, donc une liste qui est un peu longue, on ne va pas la détailler. Ce qui est important aujourd'hui, comme la CREF a eu la gentillesse de faire ce slide, qui, à mon avis, est tout à fait représentative. Donc, aujourd'hui, trois fonctions distinctes, aider à la création des nouveaux PTCE, consolider les PTCE existants et animer l'écosystème du local au national. Donc, l'intérêt, je veux dire, de cet appel à projet, c'est qu'il s'intéresse non seulement aux PTCE émergents, mais également aux PTCE existants. Donc ça, je crois que c'est un peu l'innovation de doubler les deux aspects dans un appel à projet. Et je trouve que c'est ça qui marque un intérêt, c'est-à-dire ce partage d'expérience, aussi bien pour les PTE existants que pour les PTCE émergents, par rapport à ça. Alors, au total, parmi les 19 grandes actions, moi j'ai dit 18 parce que je n'ai pas compté la dernière action qui concerne l'outre-mer, hein, donc on n'est pas très concerné hein, pour les territoires ultramarins. Donc je me suis arrêtée à 18 actions, 18 grandes actions. Donc 31 actions réparties en 18 grandes actions et 12 sous-actions qui sont prévues dans le bouquet de services, avec, vous avez vu, pour chacun un chef de file qui est différent selon la spécialité, selon l'expérience et le regard de terrain que ces structures peuvent apporter. Donc, parmi les fils, on a bien sûr les compagnons PTCE, d'accord, qu'on peut se retrouver. On a aussi France Active, pour tout ce qui concerne évidemment les domaines un peu financiers. On a aussi France Impact. On a également, donc tout à l'heure, on aura un témoignage de. Je ne me rappelle plus du nom, excusez-moi. C'est qui va témoigner tout à l'heure. L'URSCOP. Voilà, l'URSCOP. C'est important, parce que là aussi, ils vont faire une action collective, etc. Donc, on a pas mal d'organismes qui se sont manifestés volontairement. Hein. Il faut le dire, hein, ce sont des actions qui sont faites bénévolement au profit de PTCE. Et évidemment, je n'ai pas cité l'Institut Godin, mais c'est aussi un partenaire très intéressant et important pour mobiliser les territoires. Voilà, en gros, c'est ça. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qui a été fait? Donc, peut-être que la CRES pourra nous dire plus précisément. Moi, j'y tiens beaucoup parce que ce n'est pas une action de la CRES, c'est une action de l'ensemble des partenaires. Donc, il faut qu'on ait le temps de faire le point régulièrement. Moi, j'ai dit tout à l'heure, tous les trois mois, si ça vous paraît trop court, trop long, on peut en discuter. Donc, il faut regarder et faire le point, dire, voilà, sur ces 18 grandes actions, qu'est-ce qui a été fait pour les PTCE? Parce que ça dépend des régions, les besoins ne sont pas les mêmes, évidemment. Donc, certains PTCE en Ile-de-France auront plus besoin de telle action que d'autres. Peut-être que telle action ne se fera pas parce qu'il n'y a pas de besoin du tout. On n'est pas obligé de tous les faire. Mais ce qui est important, c'est évidemment de faire des actions qui répondent aux besoins et de ne pas passer à côté. Donc, il y a effectivement des actions qui ont été réalisées. Je vois sur la diapo 22 actions réalisées ou lancées. C'est énorme.
c'est un gros pourcentage par rapport aux 31 actions. On en a fait plus de la moitié, donc c'est bien. Et des 8 actions nouvelles qui vont être présentées. Donc 8 plus 22, ça fait 30. 30 actions, c'est pas mal, hein, 30 actions hein, qui seront faites d'ici juin 2022. Donc c'est bravo. Ça veut dire qu'il y a un partenariat, une mobilisation très importante là-dessus. Voilà sur le bouquet de services. Je ne sais pas s'il y a des questions précises. Je ne vais pas lister les actions qui ont été faites, à moins qu'il y ait une slide qui reprend ce qui a été fait avec les chefs de file, quelque chose comme ça ou non. Voilà. Voilà, merci exactement. Beaucoup, ouais. Rosemary. Effectivement, je vais revenir un peu rapidement sur. Alors, si vous avez une question, n'hésitez pas à la poser dans le chat pour essayer de conserver le timing. Pour le moment, je vous propose de garder vos micros fermés, mais on vous laissera un temps d'échange évidemment à la fin. Ici, on a listé un certain nombre d'actions qui sont à venir. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais notamment, il y a un certain nombre de visites fertiles, de webinaires, de collectifs de travail. Qui sont prévus et qui peuvent être intéressants pour vous sur des thématiques vastes comme les quartiers prioritaires de la ville, la recherche et le développement, etc. On a résumé sur un tableau Excel un peu simplifié un certain nombre, les actions à venir, et elles sont classées par date sur le tableau qui est ici. Je vous enverrai évidemment à la suite de ce webinaire par email le lien vers le tableau pour que vous y ayez accès et que vous puissiez consulter les actions à venir. Il y a également des liens, des interliens en fait, qui vous permettent aussi de voir par exemple les webinaires auxquels vous n'avez pas pu assister, les enregistrements qui ont été faits, etc. Donc voilà, je vous transmettrai ces informations-là pour que vous puissiez suivre un peu les actions à venir. Et si Florent Chambol veut bien nous présenter notamment l'action qui est prévue à partir de mai sur le format SIC. Merci. Oui, avec plaisir. Donc, on a effectivement été sélectionné pour des accompagnements individuels sur des PTCE qui choisiraient d'intégrer le statut SIC dans le PTCE à quelque niveau que ce soit. Et avant ces accompagnements individuels, on a aussi été mobilisé pour organiser un atelier collectif. Si on a été choisi entre guillemets, c'est vraiment du fait que dans le modèle économique PTCE, on peut retrouver des choses qui sont liées au modèle économique des SIC en fait. Donc nous, on accompagne beaucoup la constitution des SIC, et donc dans la construction des modèles économiques des SIC, c'est un modèle économique de la coopération avec des échanges monétaire ou pas d'ailleurs, entre différentes parties prenantes dans la mise en œuvre d'un projet d'intérêt collectif. Et donc, on retrouve forcément des éléments qui vont beaucoup parler au PTCE. Et donc, c'est pour ça qu'on anime cet atelier collectif. Donc, l'atelier collectif, il aura lieu entre le 1er et le 15 mai. Moi, j'ai déjà commencé à contacter certains PTCE, mais j'arrivais peut-être un peu comme un cheveu sur la soupe, dans le sens où personne ne savait trop pourquoi on envoyait cet email. Donc, c'est pour ça que c'est important qu'on puisse vous le dire aujourd'hui. L'idée, c'est en fait que cet atelier collectif, c'est la suite de l'atelier qui a été animé par France Active, qu'on a co-animé d'ailleurs, pour aller jusqu'au bout de la logique de financement. Donc nous, on a des outils de financement, mais on a aussi d'autres partenaires qui peuvent intervenir. Et donc l'atelier collectif qui va suivre l'atelier qui avait été animé par France Active, l'idée, c'est d'être vraiment sur de l'opérationnel, du financement et sur les modalités de financement de tout ce qui est coopération, donc logique SIC et PTCE. Et suite à cet atelier collectif, on proposera 3 accompagnements individuels à des PTCE qui voudraient, qui seraient intéressés par le statut SIC. Donc sur le collectif, c'est du 1er au 15 mai, et puis à partir du 15 mai, ça sera des accompagnements individuels pour ceux qui sont vraiment intéressés par le statut de SIC. Donc je réenverrai probablement un email à tous les PTCE qui seraient intéressés pour rejoindre cette démarche. Monsieur Chambol, est-ce qu'on pourra, nous, au niveau des membres du CRA, avoir un retour sur cet atelier? Oui, bien entendu. Hein. Je me suis mis en lien avec Cécilia il y a une semaine, parce que c'est vrai que... moi j'avais pas une vision en fait complète du bouquet de services, pour tout vous dire. Nous, on était sélectionnés au niveau du mouvement coopératif sur cette phase-là,
Mais du coup, là, on vient juste de reprendre contact. Et donc, c'est l'objet de ma participation aujourd'hui, c'est de pouvoir tenir au courant tous les partenaires de l'action qu'on va mettre en place et faire en sorte qu'elle s'intègre au mieux dans ce que vous faites déjà pour qu'elle soit utile, en fait. Donc, oui, tout à fait. Merci. Merci, Florent. À nouveau, n'hésitez pas si sur ce sujet, vous avez des questions, des besoins, quoi que ce soit, ou à les mettre dans le chat maintenant, ou à nous envoyer un email par la suite s'il y a quelque chose qui vous revient. Enfin, voilà, on est évidemment à disposition. Je propose de passer un peu rapidement. Donc, la CRES a mené un certain nombre d'actions. On ne va pas y revenir. Je pense que vous l'avez déjà un peu en tête. Avant de passer à ça, on pouvait revenir sur la diapo précédente, s'il vous plaît. Voilà. Des actions à venir. Voilà, les actions à venir. Donc, il faut peut-être dire un mot sur les transferts de savoir et puis la visite fertile qui est prévue au bureau, que tout le monde ait bien ses dates en tête. Vous pouvez ? Nous, on va bien sûr, après ça, avec Irène, on fait des envois réguliers de qu'est-ce qui se passe sur le bouquet de services, mais voilà, oui, bien sûr, il n'y a pas de problème. Peut-être jouer sur le transfert de savoir-faire. Donc, normalement, j'ai échangé avec un certain nombre d'entre vous, mais l'idée, c'est que vous puissiez faire des demandes aux PTCE compagnons. En Île-de-France, il y en a trois. Je vous renverrai, si vous voulez, à la suite également, la carte pour pouvoir avoir les coordonnées des personnes que vous pouvez contacter. Le principe étant que vous devez faire une demande que vous avez normalement aussi envoyée par email. Enfin, je crois que c'était Cécilia plutôt, mais peu importe, les coordonnées de la personne de l'avis auprès de qui vous devez faire une demande pour pouvoir avoir un temps d'une à deux journées. C'est possible d'en faire jusqu'à trois, mais dans certaines conditions, avec un PTCE compagnon sur une thématique que vous avez besoin de monter en compétences. Voilà, donc on vous renverra tout ça à la suite du webinaire, évidemment, mais c'est tout à fait possible pour vous de faire des demandes là-dessus. Voilà. Je pense que c'est peut-être… Ok, merci. Voilà, et du coup, simplement, on est un petit peu short sur le timing. On voulait faire un temps d'échange, ça va être un peu short. Par contre, je vais vous envoyer dans le chat un tableau qui vous permet de… En fait, c'est des post-it. Vous pouvez poser des post-it sur les deux actions qu'on est en train d'imaginer avec la cellule régionale d'animation, notamment le speed meeting qui a été demandé notamment lors de la première rencontre de proximité, 17 décembre dernier, donc un échange entre les PTCE et des financeurs potentiels. Et du coup, là, notre demande, on est en train de contacter un certain nombre de financeurs. Du coup, c'est quels sont les financeurs, le ou les financeurs que vous souhaiteriez, dans l'idéal, parce qu'on verra qui on pourra contacter évidemment, mais que vous souhaiteriez rencontrer. N'hésitez pas à contribuer sur ce tableau participatif en ajoutant des post-it sur… j'ai noté déjà les premières demandes qu'on avait eues. Et également, la seconde action qui est en train d'être imaginée, c'est une visite fertile au sein d'un PTCE compagnon qui serait a priori le phare suite à l'accord d'Annie, qu'on n'a pas encore de date précise en tête, mais c'est en partenariat avec les PTCE du Centre Val-de-Loire qu'on aimerait l'organiser, et donc ça permettra aussi pour vous de rencontrer d'autres PTCE, d'autres dynamiques. Et sur cette visite fertile, on est en train, pareil, de recenser un peu les besoins d'ateliers thématiques qu'on pourrait imaginer, que les sujets sur lesquels vous auriez besoin de travailler en collectif. Enfin voilà, n'hésitez pas, pareil, sur la seconde colonne du tableau que je vous ai envoyé. Nous vous enverrons le PowerPoint, évidemment. Et donc voilà, n'hésitez pas à y contribuer pour nous donner vos besoins. Simplement, j'ai oublié de préciser, le speed meeting financeur est déjà prévu au 30 a priori juin. On vous reconfirmera évidemment tout ça par email. Mais voilà, en tout cas, pour les infos un peu à venir, les actions à venir, n'hésitez pas à y contribuer. Alors, je vois qu'il y a un certain nombre de questions dans le chat, pardon. On peut tout à fait aller un peu plus loin de 11h30 si on voit qu'il y a des échanges qui se font. Effectivement, c'est la première fois qu'on organise ce type d'échange. Du coup, on apprend aussi en faisant. Du coup, peut-être pour conclure les sujets qu'on voulait traiter avec vous, on laisse la parole à Julia, du coup, pour l'AMI PTCE 2022.
Et après, voilà, on peut avoir, effectivement, on a un peu de temps pour échanger assez librement et revenir aussi sur les éléments qu'on vient de vous partager. Je te laisse la parole, Julia. Ça marche, merci Cécilia, Irène. Donc, effectivement, un petit point sur l'AMI 2022 qui est donc relance en fait justement l'AMI 2021 qui avait été initiée par le secrétariat d'État à l'économie sociale, solidaire et responsable, le SSR. C'est sensiblement la même configuration, c'est-à-dire qu'on a une première phase labellisation PTCE et une deuxième phase avec à la clé un financement pour un lauréat parmi les lauréats de la phase 1. La différence avec l'année dernière, c'est que donc, cette année, la réception et le traitement des demandes pour la phase 1 se fait bien au fil de l'eau, c'est-à-dire que là, aujourd'hui, l'AMI est ouvert, c'est-à-dire que si vous connaissez des porteurs de projets voilà, qui souhaiteraient pouvoir candidater, ils peuvent le faire via l'outil Ma démarche simplifiée, ils peuvent déposer leur dossier. L'AMI est tout à fait… il est ouvert et donc c'est bien la CRA, comme l'expliquait Rosemary Livantou, qui va donc instruire ces dossiers de façon collective. Et dès qu'un candidat passe donc la phase 1, il a la possibilité de bénéficier des différentes briques du bouquet de services qui vous a été présenté. Donc cette année, en Ile-de-France, on a donc le plaisir d'accueillir un nouveau PTCE émergent phase 1, effectivement Oasis 21, qui s'est présenté tout à l'heure. Concernant une question qui est restée un petit peu en suspens et sur laquelle effectivement on attend en fait des précisions au niveau national, c'est sur le passage du statut d'émergent à existant, c'est-à-dire concrètement pour l'ensemble des PTCE qui l'année dernière ont été labellisés phase 1, quel en fait process va vous permettre d'avoir un label qui vous permette de dire voilà ce bouquet de services a pu justement j'ai pu en bénéficier, j'ai pu faire grandir mon projet. Aujourd'hui, je considère être un PTCE existant. En fait, il y a un travail qui est en cours justement avec l'Institut Gaudin au niveau national pour définir des critères partagés qui permettront de redéfinir ensemble concrètement un PTCE existant, comment est-ce qu'il se définit et quels seraient les critères qui expliqueraient qu'on pourrait toujours rester en émergent. Donc, on est un peu en attente d'une définition nationale pour qu'ensuite tout ceci puisse de façon harmonisée découler dans les régions. Donc à suivre sur ce sujet-là et très certainement qu'une fois que ces critères seront partagés, la CRA se réunira et fera le point justement pour voir vis-à-vis de l'ensemble des PTCE émergents phase 1 dont la plupart de vous faites partie, qu'on puisse ensemble décider quels seront ceux qui resteront émergents et quels seront ceux qui passeront à existants. Ensuite, concernant la phase 2, qui suscite à raison beaucoup d'intérêt, un premier point sur lequel on peut vraiment avoir une information stabilisée, c'est que l'ensemble des PTCE labellisés phase 1, même ceux de l'année dernière, pourront candidater à cette phase 2. Elle n'est pas fermée. Donc, vous pouvez recandidater, même si vous l'avez déjà candidaté sans succès l'année dernière. Le montant attribué pour les lauréats sera le même que l'année dernière, c'est-à-dire c'est 100 000 euros répartis sur 2 ans pour 15 lauréats nationaux. Et pourquoi est-ce que je précise que c'est 15 lauréats nationaux? Nous avons 18 régions en Île-de-France, en France. C'est pour vous montrer qu'un lauréat régional n'est pas obligatoire. A priori, en Île-de-France, étant donné la quantité de projets, le dynamisme de ce territoire, on peut espérer pouvoir présenter avoir un lauréat régional francilien. Mais dans la façon dont cette AMI est pensée, ce n'est pas systématique. On n'a pas obligatoirement un lauréat par région.
Et cela va dans le sens un peu de l'état d'esprit de cette AMI, c'est que finalement, la partie financement phase 2 ne constitue pas le cœur de cette AMI, vous l'aurez compris, puisque l'État n'a pas finalement vocation à financer les PTCE, mais plutôt à les accompagner, à animer justement l'ensemble de cet écosystème par la mise en place des CRA, par justement la mise en place de ce bouquet de services dont on a parlé aujourd'hui. Et donc, ça vous explique pourquoi est-ce qu'on a finalement peu de lauréats à la fin de la phase 2. Mais bon, nous souhaitons de tout cœur qu'en Ile-de-France, on puisse justement présenter qu'on puisse justement avoir un lauréat. Et en fait, justement, ce choix final, il est fait au niveau national. C'est bien ça peut-être qu'il fallait vous préciser. Au niveau des critères, c'est principalement la maturité du projet, c'est-à-dire quel projet parmi ceux qui seront présentés pourront faire, on va dire, le meilleur usage de ce financement, et notamment pouvoir réfléchir aux sources de cofinancement qui lui permettront de voir la durabilité du projet au-delà de ces 2 années. Et de toute façon, il y aura un dossier en fait, qui sera mis en ligne, une matrice sur ma démarche simplifiée qui permettra à l'ensemble des candidats de présenter le même dossier sur les différents critères, contrairement à l'année dernière où cela avait été fait de façon assez libre. C'était encore un peu expérimental. Cette année, on a eu la confirmation qu'il y aura un dossier commun mis à disposition de l'ensemble des candidats. Et enfin, au niveau du calendrier, il reste encore à stabiliser, mais ce sera une phase 2 qui sera faite au niveau national avant cet été. On aura certainement 2 mois de temps de réponse pour les différents candidats, avec du coup ensuite un temps d'instruction, une instruction qui sera faite du coup au niveau régional puis national à l'automne, donc sensiblement le même calendrier que l'année dernière. Je me tiens à disposition si vous avez des questions précisément sur cette AMI, chat ou micro. Je vous propose qu'on puisse ouvrir ce temps d'échange par rapport à l'ensemble des choses qu'on a pu vous partager aujourd'hui. Merci beaucoup, Julia. Effectivement, c'était très clair, je pense, mais... du coup, des informations assez importantes. Ce que je vous propose là, c'est vraiment, n'hésitez pas, vous pouvez lever la main, écrire une question dans le chat qu'on peut retranscrire ou ouvrir votre micro directement pour pouvoir échanger sur tous les échanges. J'ai un petit peu speedé parce que je voulais vraiment qu'on ait ce temps et il me semblait essentiel. Donc voilà, je vois déjà Franck Mathieu a levé la main, je vous laisse prendre la parole, merci. Oui, moi j'ai une question par rapport à la phase 2 et le fait que, notre PTCE, enfin, on a été élu enfin, parmi la liste des PTCE sur l'année 2021. Je vois qu'on peut candidater pour essayer d'être dans la phase 2. Et donc, je vois quelque chose de contradictoire. On parle de coopération, de plein de choses comme ça. Et là, on met finalement en concurrence les PTCE entre eux. Pour la phase 2, puisque certains vont se disent, tiens, je vais remplir le dossier, ta-ta-ta-ta-ta-ta. Est-ce que là, il n'y a pas quelque chose à inventer, justement, dans un mode coopératif, au moins au niveau de notre région, pour pas qu'on se retrouve dans des situations de mise en concurrence entre PTCE et jouer la coopération, et justement, peut-être inventer une manière de mettre à jour un dossier avec une certaine forme de délibération entre les PTCE. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Concrètement, ça veut dire quoi ? Eh bien, en fait, pour ceux qui ont un peu, qui sont porteurs de projets, on est habitué à faire plein de dossiers, à aller à droite, à gauche pour chercher des fonds, des aides. Et on se retrouve, finalement, des fois, on est aidé. On fabrique un système qui devient utilisable, qu'on pourrait considérer comme un commun. Et puis, une fois que la subvention est passée, ou je ne sais pas quoi, c'est une autre structure qui a une subvention. Et du coup, l'outil qu'on a créé, par exemple, Périclite. Voilà. Donc, je trouve que ça serait plus
plus intelligent quelque part que tous ces montants en fait puissent aller dans des communs, des outils, des PTCE hein, qui sont des sortes de communs qui puissent être utilisés par les uns par les autres. Bon, après, voilà, j'ai pas de solution miracle par rapport à ça, mais ce qu'on voit, par exemple, moi je suis dans le territoire de l'Essonne, il y a des appels à projets, il y en a qui sont, ça marche, d'autres ça marche pas, et puis et ça crée aussi un peu de ressentiment parfois entre des structures entre elles sur un même territoire. Je crois que c'est une proposition qui est pertinente, mais difficile à mettre en œuvre, dans la mesure où c'est vrai que chacun, d'après ce que je comprends, hein, chacun est un peu propriétaire d'une partie de l'outil, puisque c'est un outil que vous avez élaboré en commun et que vous mettez au service de l'ensemble des PTCE. Donc, ce qu'il faudrait, en fait, déjà, ça ne correspond pas tout à fait à l'appel à manifestation d'intérêt qui est lancé par le secrétariat d'État, puisque là, c'est une aide directe de fonctionnement à une structure donnée, d'accord ? Donc, pour l'aider à devenir... l'idée à devenir PTCE existant, c'est-à-dire à consolider. En fait, c'est tout le processus d'amorçage et de consolidation qui fait que, bon, grâce à cette aide qui n'est pas énorme, hein, c'est 100 000 euros sur 2 ans, comme a dit Julia, donc ça veut dire, en fait, l'aider à progresser et à devenir un véritable PTCE et qui pourra ensuite également partager avec les autres. Donc, ce que vous dites, c'est un autre aspect. Moi, ce que je vois, parce que je m'occupe aussi des tiers-lieux, je ne sais pas si vous voyez, ce qu'on appelle les fabriques de territoire. Et donc, effectivement, on a ce qu'on appelle une tête de réseau, un consortium de plusieurs associations, et dont l'objectif, effectivement, c'est d'accompagner tous les autres tiers-lieux, d'accord, et de mettre à disposition les outils, aussi bien les tableaux de bord que toute l'expérimentation, enfin tous les aspects d'aide et d'appui pour le soutien et le développement de ces tiers-lieux. Parce que comme vous, hein, les tiers-lieux, d'ailleurs certains PTCE sont des tiers-lieux et certains tiers-lieux sont des PTCE. Donc on a la réciprocité et certains d'entre vous, ben, faute de subventions publiques, ben, vous ne pouvez pas... durer dans le temps, et c'est normal, hein, donc on a tous besoin d'être aidé financièrement. Donc je crois qu'il faudrait un petit groupe de travail, vous qui avez lancé cette idée, de voir effectivement s'il n'y a pas parmi vous une possibilité de se mettre en tête de réseau et proposer ce type d'action comme pour les fabriques de territoire, comme pour les tiers-lieux. Voilà, je ne sais pas, voilà. Donc ça, c'est une idée intéressante, mais après, effectivement, il faut qu'on fasse remonter cette idée et voir au niveau du secrétariat d'État s'il n'y a pas aussi une aide à l'appui aux têtes de réseau qui ont cette vocation-là. Est-ce que ça vous paraît clair? Je ne sais pas. On pourrait réfléchir ensemble, hein, travailler ensemble là-dessus. Pour compléter peut-être ce que a dit Rosemary au sujet de cette phase 2 et de cette il est vrai, cette mise en concurrence des PTCE sur la phase 2, alors que ce n'est pas franchement l'esprit qu'on a sur la phase 1. Je vais dans votre sens avec modulo le fait qu'effectivement, en fait, cette phase 2, elle n'est vraiment pas le cœur de l'AMI. Le cœur, c'est le bouquet de services et les communs que vous évoquez à raison. Je pense qu'il faut vraiment aller les chercher et se saisir de ce qui est offert dans le bouquet de services, que ce soit au travers des transferts de savoir-faire sur lesquels on a des financements, sur lesquels les PTCE compagnons qui vont pouvoir faire ces transferts de savoir-faire ont des financements au niveau national, sur les visites fertiles, avec elles aussi voilà, un défrayage qui est proposé au niveau national, avec aussi justement la proposition des nombreux acteurs d'accompagnement. Voilà, on a l'URSCOP aujourd'hui, mais on en a plein d'autres. En fait, c'est vraiment, je pense qu'il faut se saisir de toutes les initiatives et de ce qui peut rester à inventer pour alimenter ce bouquet de services, pour faire justement ce commun, cette dynamique des PTCE. Et c'est vrai que le financement de 100 000 euros qui est sur cette phase 2,
il est très à la marge, en fait, par rapport à l'ensemble de propositions qui sont faites. Alors, bien sûr, il va venir soutenir et aider un PTCE émergent, le plus solide, on va dire, celui qui fera le meilleur usage, sur lequel on a vraiment les garanties au niveau du modèle économique, au niveau des opportunités de développement, de pouvoir bénéficier de ce financement, bien sûr, qui lui sera utile. Mais en fait, l'idée, c'est que l'ensemble des PTCE émergents puissent avoir, grâce au bouquet de services, déjà, en fait, ces communs, cet accompagnement qui leur permettent d'émerger sans nécessairement cet accompagnement financier. Donc, je comprends votre remarque, je vous invite à ce que justement la phase 2 ne fasse pas l'objet de toutes nos attentions. Au niveau CRA comme au niveau des différents lauréats, puisqu'il y a d'autres leviers qui vont être activés sur le financement via le bouquet de services. Puis-je me permettre d'intervenir? Je pense, et il en avait été question quand il y a plusieurs mois, je pense qu'au-delà du CRA, on aurait tout intérêt, entre PTCE, émergent ou pas émergent, de créer une sorte de coordination régionale. Je crois que je l'avais proposé à une des réunions en décembre à la Maison des Femmes. Et alors, c'est d'autant plus… Enfin, là, je parle aussi avec ma casquette phare, intéressée aussi, parce que les PTCE existants ont aussi des difficultés financières. Et de réflexion sur ce que c'est vraiment la coopération. Et il me semble qu'on aurait intérêt, là, tous ensemble, à y travailler, quoi, à créer cette coordination régionale, ce réseau. Le CRA a son rôle de pilotage, d'animation, d'instruction, mais nous, je dirais de manière... plus politique au sens large du terme, pour porter des plaidoyers aussi, et de la solidarité, de la coopération. Je pense qu'on pourrait aussi s'organiser, s'auto-organiser pour créer ce réseau. Oui, oui, tout à fait. Ça recoupe ce que j'ai dit tout à l'heure. Il faut peut-être une tête de réseau, vous l'appelez comme vous voulez, une coordination régionale, enfin voilà, qui est un lieu de ressources en fait pour tous les autres, aussi bien pour les PTCE existants que émergents. Il ne faut pas oublier que en 2013-2015, les appels à projets, je l'ai dit tout à l'heure, il y a eu des structures qui ont émergé et qui existent toujours, mais il n'y a pas toute cette animation autour et cet accompagnement qui fait que bon, ce réseau vit et partage ses expériences. Donc c'est une très bonne idée et ça recoupe aussi l'intervention tout à l'heure d'Archipossible. C'est tout à fait dans ce sens-là. Effectivement, merci pour cette proposition. Enfin, nous, au niveau de la CRES, on l'a bien en tête. C'est aussi pour ça qu'on aimerait imaginer des temps de rencontre entre vous. Et justement, quand je vous disais quelle thématique d'atelier on pourrait travailler, quels besoins vous avez, c'est exactement ça. Donc, effectivement, faire un temps d'interconnaissance, c'est bien, mais aussi, pareil, de vraiment travailler ensemble sur des coopérations, de lancer peut-être des dynamiques. En tout cas, on, avec Cécile, on prend bien en note tout ça et on va essayer de réfléchir comment mettre ça en place pour essayer de répondre au mieux à vos besoins. Il y a peut-être Sébastien, je vois qu'il a la main levée, juste peut-être... Il y avait Cédric avant. Pardon. C'était juste en réaction aux propos sur les questions de tête de réseau. Il y en a deux, en fait, enfin, voire trois autour de la table. C'est la CRES, enfin, d'une part, et puis enfin, sur les questions de coopération, l'URSCOP qui a enfin, une certaine expertise à mettre sur la table, en tout cas, et qui est aussi un cadre dans lequel on peut échanger sur ces questions-là. Enfin, à mon avis. Mais non, c'était juste peut-être pour dans cet élément-là. Je pense que c'est déjà une question de vocabulaire, mais en gros, là-dessus, pour vous dire un peu les discussions, parce qu'effectivement, l'idée de se dire, quel serait un peu le travail de coordination, vous avez peut-être entendu parler, vous êtes même peut-être certains d'entre vous, PTCE,
déjà dans la boucle de discussions qui ont eu lieu au niveau national, notamment entre les PTCE compagnons, autour pourquoi pas d'une SIC nationale, pourquoi pas, etc. etc. Du coup, sur ça, je dirais attention à ne pas multiplier les cas, parce que malgré tout, je sais que je m'adresse à des gens qui le vivent au quotidien, la multiplication des cadres qui sont des cadres qui prennent de l'énergie bénévole aux dirigeants, dirigeantes que vous êtes déjà, ça peut vite être quelque chose qui prend du temps et qui peut du coup devenir frustrant. D'où l'idée, en tout cas c'est comme ça que ça a été pensé, de demander un peu un travail de, vraiment, on va dire d'animation et d'orientation vers les ressources, que ce que vous mentionnez en disant il y a un besoin de ressources normalement, qui vient normalement sur son rôle, ce n'est pas le cas, il y aura des choses à faire évoluer, mais le bouquet de services doit y répondre. On le voit bien, par exemple, sur ceux qui souhaitent aller vers la structuration en SIC, le lien qui peut être mis avec l'URSCOP, que ce bouquet de services, il est, pour le coup, lui, est également financé au niveau national, et que du coup, il y a à côté de ça un autre travail qui a été entier, qui est un travail d'animation, de relance, de création de temps de rencontre et d'espace, qui est plutôt confié au réseau des CRES. Nous aussi, on a des financements pour le faire là-dessus. Donc, c'est pour ça qu'après, évidemment, le terme de coordination, il est polysémique, hein, parce qu'on y met un peu ce qu'on y veut dans une coordination. Et donc, il est évident que si à un moment, il y a des projets qui émergent en Ile-de-France, des besoins de mutualisation, des besoins qui pourraient nécessiter potentiellement qu'un PTCE prenne une délégation sur un sujet, ou en tout cas, aille chercher des moyens pour les autres, qu'il y ait des événements plus importants que ce que nous, on pourrait monter qui émergent. Évidemment, on sera là en soutien, il y aura besoin d'inventer autre chose, mais il y a déjà un premier socle qui a été mis en place et qui a été financé. Je pense qu'il faut effectivement quand même s'appuyer dessus. Et sur le côté tête de réseau, on pourra vous faire passer un peu les infos. Il y en a peut-être d'ailleurs certains d'entre vous qui en ont d'ailleurs des plus fraîches que les nôtres sur cette idée un peu de réseau national. Moi, j'ai compris que la SIC, c'était plutôt un moyen de mutualiser des ressources pour les PTCE les plus structurés déjà, qui justement ne voulaient pas retomber. Vous ne voulez pas laisser retomber un peu le soufflet pour ceux voilà, qui étaient déjà les plus engagés. Et sur l'idée d'une coordination, on va dire d'un rôle un peu de tête de réseau, de fédération des PTCE de niveau national, à ma connaissance, ça fait plutôt partie des scénarios qui ont été écartés, en tout cas en termes de financement. Évidemment, la liberté associative étant ce qu'elle est, chacun pourra toujours décider de se lancer, mais en tout cas, il n'y aura pas de financement dédié à ça. Au niveau national, l'idée étant, la réponse qui a été faite à ceux qui le demandaient étant plutôt de dire, attendez, il y a de l'animation en région, il y a un pôle de ressources qui est financé, c'est en fait déjà plus efficace que si on mettait de l'argent dans une tête de réseau où il y aurait au maximum un ou deux permanents qui ne pourraient pas tout faire. Voilà, je dis ça pour donner, pour partager ça après, l'idée n'est pas du tout de dire, circuler, il n'y a rien à voir, je pense qu'au contraire, plus il y a des choses qui vont émerger, plus on va pouvoir potentiellement voir un peu les limites du modèle qui est là, et voir ce qu'il faudrait aller chercher comme ressources. Et là, on pourra tout à fait, nous, CRES, y contribuer aussi dans la recherche des moyens à mutualiser ou à aller chercher. Ce que je voulais dire par là, il y a, effectivement, il y a un projet de SIC national pour regrouper les PTCE, mais moi, ce que je voulais dire par là, au niveau de la CRA et de la CRES, on est sur une dimension institutionnelle et sans doute financière, mais je pense qu'il est nécessaire d'avoir une dimension politique et de plaidoyer, et ce sont deux choses différentes. Et donc l'idée n'est pas de multiplier les coordinations, mais aussi de réfléchir pour que, enfin, le lien, la confiance, la coopération, ça ne se décrète pas de manière descendante. Il faut aussi qu'on apprenne à l'interconnaissance et à se connaître entre acteurs franciliens, et je le vois plus comme un renforcement des liens, de plaidoyer, de solidarité, et je pense que la cellule d'animation a un rôle plus technique, plus institutionnel, et que l'un n'empêche pas l'autre. Je me suis permis juste de couper le partage pour qu'on se voit. Simplement vous dire, il est 30, techniquement on a fini, mais évidemment on reste, enfin voilà, c'est continuons les échanges, je pense que c'est essentiel, mais voilà. Si je peux prendre juste la parole, ouais, c'était juste pour dire, nous avec plaisir pour accompagner les démarches
Bien évidemment. Après, il me semble qu'il y a quand même l'AVIS qui joue un rôle justement sur ce côté plaidoyer, puisqu'ils sont un peu à l'origine aussi d'une relance, en tout cas. Enfin, moi, de ce que j'avais compris, hein, voilà, c'était juste pour dire ça. Et en termes de centre de ressources aussi, je pense qu'ils jouent quand même un rôle au niveau national. Mais après, j'entends bien la nécessité d'une défense voilà, politique, notamment des financements, parce que l'enjeu, quand même, il est pas mal là des PTCE, quoi. Merci Florent pour ta contribution. Est-ce que quelqu'un a une autre question par rapport aux échanges qu'on a eus, remarques, volonté de mettre la main, enfin voilà, d'échanger là-dessus. Je vous laisse réagir. Julia, je pense qu'elle essaie de... Julia, tu veux... Oui, simplement, bah, pour faire suite à ce qui vient d'être dit, est-ce que tout le monde a accès au contact de tout le monde déjà pour commencer au niveau des PTCE, si jamais voilà, il y a une dynamique au niveau francilien ou peut-être que Myriam Dauphin, voilà, vous faisiez cette proposition de pouvoir un petit peu permettre aux PTCE de se réunir sur un mode plus de plaidoyer. Moi, je partage, je pense qu'effectivement, ça peut être bien pour aussi qu'on ait parfois un interlocuteur qui puisse centraliser et qu'il puisse y avoir des discussions qui se passent au niveau des PTCE dans lesquelles les membres de l'ACRA ne soient pas forcément tout de suite impliqués, mais qu'on puisse, on puisse ensemble en échanger derrière. Donc, est-ce que voilà, il y a les contacts de tout le monde qui ont été partagés pour qu'éventuellement, si voilà, il y a des volontaires, ils puissent initier justement cette démarche. On a effectivement une liste qu'on a reçue. Par contre, il n'y a ni les téléphones ni les territoires d'intervention. Je me souviens que j'avais partagé à la suite du 7 décembre effectivement les différents participants, mais on vous renvoie là dans la foulée avec toutes les informations, comme ça tout est à jour avec aussi les contacts de Cédric qui vient de rejoindre la dynamique. Après, je pense qu'on pourra peut-être la laisser en ligne, comme ça elle va se alimenter à fur et à mesure. Mais on note, ça c'est quelque chose qu'on peut faire rapidement. Et au même titre, jusqu'ici, j'ai volontairement pas mis en copie cachée les adresses e-mail puisque je me suis dit que ça avait pas forcément, enfin ça pouvait être pertinent. Mais c'est vrai que j'en avais pas forcément échangé avec vous. Enfin voilà, je trouve que ça peut être intéressant peut-être de créer une sorte de boucle mail où il y a un contact qui envoie à tout le monde et qui vous permettrait de peut-être transmettre des informations aussi sur vos actions à venir, si vous voulez les partager au réseau PTCE d'Île-de-France. Voilà, ça peut être tout à fait imaginable et assez facilement réalisable pour le coup. Si évidemment personne n'y voit d'inconvénient, et ça on pourra reboucler avec vous. Par contre, pour les numéros de téléphone, c'est pareil. Jean-Baptiste, c'est vrai que c'est une bonne remarque, mais est-ce que ça peut être un peu délicat de partager les numéros, donc il va falloir juste que j'ai la confirmation au niveau RGPD et tout de tout le monde sur les numéros. Voilà. Si on donne tous notre accord, c'est pas un problème. Voilà, c'est ça. Est-ce que quelqu'un souhaite réagir à nouveau? Est-ce que pour tous les participants sur les PTCE, est-ce que ce genre de réunion du CRA, est-ce que ça vous semble intéressant ou est-ce que vous pensez que ce n'est pas très utile? On se parle franchement. Hein, donc, et est-ce que par rapport à ça, est-ce que vous pensez que effectivement l'euro CRA peut vous permettre de mieux ancrer les PTCE sur le territoire, de donner plus de visibilité? Qu'est-ce qu'on peut faire en plus de ce qu'on fait aujourd'hui, en fait? Donc, est-ce qu'il y a des moyens à développer, des pistes à développer? J'en sais rien. Donc, on a besoin de vous là-dessus parce que si on n'a pas de matière pour faire vivre le CRA, c'est un peu dommage aussi. Donc, voilà, donc nous faisons vivre cette cellule
pour vous. Donc, nous avons besoin aussi de votre retour pour savoir qu'est-ce qu'on peut faire en plus. Et voilà, d'où l'importance de faire remonter effectivement des idées. Hein. Alors après, on peut aider d'une manière ou d'une autre. Ce n'est pas forcément que des idées qui concernent le financement. On peut aussi mettre en contact, on a tous nos carnets d'adresses, nos réseaux, et peut-être qu'avec ça, on peut élargir les différents domaines. Voilà. Donc, je ne sais pas si c'est clair ce que je vous dis, mais voilà. Donc, on attend aussi beaucoup de vous à travers ces réunions. C'est vrai que sur ce point-là, une des choses sur lesquelles je pense qu'on a eu une attente, c'est les rapports effectivement entre la préfecture de région et les préfectures départementales, puisque on ne mesure pas aujourd'hui jusqu'à quel point effectivement les préfets et les services des préfectures départementales sont mobilisés sur les suites de cet appel à projet. Donc il y a certainement une attente de ce côté-là. Ah, alors là-dessus, je peux vous répondre. En tout cas, moi, lorsque je reçois des demandes d'aide financière via les appels à projets, selon la localisation du projet, je saisis les services des préfectures département. Donc, ils ont forcément connaissance de tous les PTCE dans leur département. Je leur demande leur avis là-dessus aussi. Donc, même s'ils ne sont pas formellement membres de la cellule régionale d'animation, ils font partie de droit puisque, à travers ma saisine, ils donnent leur avis. Donc, pour tous les projets, j'ai un avis sur le PTCE. D'accord ? Donc, ils sont connus, vous êtes connus sur le terrain, vous êtes connus dans leur territoire, ils savent qui vous êtes, même si ce dispositif est quand même nouveau pour eux. Donc, il y a des préfectures qui ne savent même pas, rien que le cycle PTCE, ils se disent qu'est-ce que c'est que ça. Donc, vous voyez, après, il faut leur expliquer la loi de 2014, etc. Et tout de suite, les services, au contraire, prennent un intérêt sur. Alors moi, j'ai pensé aussi à une chose, on peut, au-delà des visites fertiles, des visites que ce que vous voulez, enfin pour moi, une visite est forcément fertile, je ne vois pas l'intérêt de dire visite fertile, mais une visite est forcément infertile, sinon je ne vois pas l'utilité. On peut aussi, à l'occasion d'un CRA, un peu délocaliser et faire une réunion du CRA dans un PTCE, dans un département. Et serait convenue la préfecture des départements ici. Vous voyez, c'est des choses comme ça qu'on peut mettre en place. Ce sont des idées. On démarre. Donc, on n'a pas forcément tout en tête. On ne sait pas ce qu'il faut faire. Donc, ensemble, on va construire ce réseau. Et puis, voilà. Donc, c'est pour répondre à votre question. Les préfectures des départements sont complètement informées sur ce dispositif. Et notamment, le PTCE filière vélo, donc c'est dans l'Essonne. Alors, l'intérêt de ce PTCE, c'est qu'il y a aussi deux associations, puisque c'est un consortium, qui sont sur Paris, si j'ai bonne mémoire, le carton plein et la petite roquette. Donc, d'autant plus, la préfecture de département de l'Essonne et de Paris sont forcément au courant. Voilà. Et je complète pour parler des services déconcentrés, Driette et UDDET, c'est le même principe qu'au niveau des préfectures. Nous informons également l'ensemble des agents de chaque département. Nous leur demandons leur avis et je leur ai présenté en fin d'année dernière l'ensemble des PTCE qui avaient été labellisés phase 1. Alors, c'est vrai qu'au niveau des sujets ESS, il n'y a pas encore une forte acclimatation des services déconcentrés de l'État sur ces structures. Je pense qu'il y a un enjeu d'ailleurs de pouvoir justement présenter ces modèles économiques alternatifs. Au niveau des UDDET, la porte d'entrée, c'est plutôt justement les questions d'insertion. Avec un suivi rapproché des structures d'insertion. Donc, ça peut être une bonne porte d'entrée. Ce sont elles qui instruisent les dossiers des SIAE lorsqu'elles sont déposées. Donc, c'est pareil, elles sont consultées, mais s'il y a besoin de favoriser cette interconnaissance, ça peut être aussi une piste de travail, je pense, intéressante à avoir. Il faut aussi qu'ils comprennent que les PTCE, c'est des entreprises. Et ça, ce n'est pas encore complètement clair pour eux, je pense. Vous faites référence du coup à la Seine-Saint-Denis. Je pense que les échanges qu'on a pour le moment montrent qu'il y a encore un peu de besoin de compréhension de ce qu'est le changement d'échelle de la PTCE et ce que veut dire effectivement de l'aide à l'emploi dans ce cadre-là. C'est une entreprise, c'est d'abord une entreprise.
D'accord, mais si vous souhaitez, on pourrait échanger à la suite du webinaire pour voir justement le contexte de votre demande. Alors, je sais que la CRES a fait son travail, puisque je crois que notre demande sur le fonds de revitalisation vous a été transmise à Madame Liventu, mais je veux dire, il faut effectivement qu'on se coordonne bien avec le niveau départemental. Voilà. Ce que je peux vous proposer, c'est on pourra organiser un même type de réunion qu'aujourd'hui avec les PTCE et les préfectures du département, mais juste pour une réunion d'information. Oui. Il ne s'agit pas de traiter en détail. Voilà, il ne s'agit pas de traiter en détail, mais pour mieux faire connaître ce que c'est qu'un PTCE. Et c'est pour ça que je vous ai dit, les gens, quand ils voient ce signe-là, ils ne connaissent pas complètement. Alors qu'on peut comparer, c'est ce que je dis souvent quand j'explique, un PTCE, c'est un peu comme un pôle de compétitivité, vous voyez, mais pas dans le même sens, mais vous voyez, avec ce rassemblement de toutes les énergies du territoire, aussi bien les entreprises que les associations, il y a différentes structures qui manœuvrent dans ce sens. Voilà, donc ça, c'est une chose que l'on peut faire, effectivement, dans la démarche. Ça peut être utile, que ça peut être utile, tout à fait. Vous nous demandez ce qui pouvait être utile, chose qui pourrait être utile. Tout à fait, ok. Merci pour cette suggestion. Merci beaucoup. On a dépassé d'un quart d'heure, s'il y a encore des échanges, c'est aussi possible, mais en tout cas, sinon je vous propose de s'arrêter là. On a bien pris en note toutes vos remarques dans le chat, les personnes qui sont intéressées pour la dynamique commune, etc. C'est bien, voilà, on a bien pris en note au niveau de la CRES et évidemment, on est à disposition pour vos besoins, remonter au CRA, à la CRA, pardon, plutôt, les échanges, les besoins que vous avez, c'est aussi notre rôle et n'hésitez pas à nous solliciter pour ça. Voilà, merci beaucoup et puis à bientôt, du coup, effectivement. Te revois pour le speed meeting, c'est ça? Voilà, c'est ça. OK. Merci à tous. Merci. À bientôt tout le monde. Et au revoir. Au revoir.